Ah, les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. J'ai pas voulu faire l'intro de manière classique. Je me suis dit, allez hop, on balance, on va droit au but. Est-ce que ça se lance? Je laisse qu'on m'entend. Ça a l'air d'être bon. Parfait. Dead Space? J'ai joué très longtemps. Très très longtemps. Et depuis, j'ai pas touché. Et là, ils ont créé. Ils ont sorti Dead Space Remastered. La version remasterisée. Alors, comment ça se présente? J'espère qu'au niveau de la qualité, tout sera très bien. J'ai fait 2-3 petits tests avant, mais. Je pense qu'il y aura plus d'intro au tout début. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout s'écroule ici. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est étrange. Ces petites choses. Comment ça? C'est elle? Nicole? Ouais, voilà, il lui a ça fait fait peur des là. semaines que j'avais pas de nouvelles. Eh ben, t'es toujours en train de faire tourner ce truc en boucle. Elle doit vraiment te manquer. Une mission sur l'Ishimura, ça ne se refuse pas. Mais 6 mois sans se voir à se parler que par vidéo, c'est dur. Aïe, aïe, aïe. On peut facilement dire une bêtise. Je te blâme pas. Moi-même, j'écouterai ma petite amie plutôt qu'Amon et ses protocoles de sécurité. Un homme averti en vaut deux, Daniels. C'est ce que vous dites continuellement. Et voilà, sans encombre. Imaginez-vous 6 mois en tête à tête avec ce caillou. Pour un mineur indépendant, c'est le paradis. J7 est l'une des plus grandes découvertes de la CEC. L'équipe de prospection a touché le jackpot. Bon, où est-ce qu'elle est? Le voilà. Contact visuel avec l'USG Ishimura confirmé. Quelle merveille. Le plus grand brise-surface de l'univers. Apparemment, le travail a commencé. Pourquoi le vaisseau est si sombre? On devrait pouvoir voir ses lumières. Ouais. Je vais nous mettre à portée. On doit être attendu. Mais soyez prudents à l'approche. Je veux pas qu'on prenne de risque avec la plus grande fierté de la CEC. Aucun risque, hein. C'est pour ça que vous fouillez dans mes dossiers perso avant de partir. Vous surveillez les accès à vos fichiers? Je suis analyste informatique, ça fait partie de mon travail. Rien d'autre que des contrôles de routine de la CEC, Daniels. Si vous voulez jouer dans les hautes sphères, il faut connaître les règles. Dans la haute sphère! Monsieur, on est à portée d'appel. USG Ishimura, ici l'équipe technique d'urgence de l'USG Kellyon envoyée suite à votre appel de détresse. À vous, Ishimura. Ishimura, vous nous recevez? Répondez. Ici USG Kellyon. T'as déjà entendu parler d'une panne de communication sur ce genre d'engin? Non, jamais. Allez. Panne de communication. Quelqu'un décroche, bordel. Ah ah! On se demande ce qu'il y a! Leur antenne de communication à l'RHS. Peut-être un problème d'encodeur. Daniel, c'est moi, pouvons nous en occuper en 48 heures max. Eh, comme ça tu pourras rattraper le temps perdu avec Nicole? Ouais, j'espère. Jen, Johnston, approchez-nous. Attache gravitationnelle activée. Atterrissage automatique. Ça vient. Je perds le contrôle. Et il a touché où là? Pourquoi? On est hors trajectoire. Le forçage du système de pilotage. Merde, merde, on arrive trop vite. On va se sur l'autre vaisseau spécial. Stabilisateur d'urgence. La lumière bleue, là. Ça nous ralentira peut-être. Campagne, laisse tomber les boucliers. Ça a pas été violent, on dirait. Ça va. On est bon maintenant. Hey Johnston, ça va? Est-ce qu'on va pouvoir jouer? C'est ma cheville. Je crois qu'elle est cassée. J'ai l'impression que oui. Merde. Cheville cassée? Une nuque brisée. Ouais, quelle? Elle là? Bonne idée le stabilisateur, Isaac.
Heureusement que je lis toujours le manuel. Bordel, il se passe quoi avec la salle de contrôle? Ce système de pilotage va nous tuer. Un truc à ajouter à ta liste de réparation. Jen, quels sont les dégâts? Les communications sont mortes, on a perdu le propulseur. On a un stabilisateur en feu. Le réacteur est foutu. Ça pourrait être pire, mais pas de beaucoup. Allons chercher de l'aide. Johnston, restez sur le Kellyanne. On va envoyer un médecin. Les autres, avec moi. Ah ouais, on se sépare déjà. Ah, ça y est, il a mis son masque. Dead Space. Nouveau venu. Tab pour voir le menu de mission. Ah ouais, c'est vrai que ça apparaissait comme ça. Une fois que t'es là. Avec les flèches. Attends, avec les flèches, ça va être chaud quand tu vas te combattre là. Quoique. Mais j'ai connu pire. Dans le combat, je pense que. Je vais y aller. Je gère. Attends, c'était pas c'est pas pour toi qu'on est là, ma jolie. Hein? Arrête de nous interrompre. En tout cas, niveau graphisme, franchement, on voit la différence. Hein. Bah, en même temps, Dead Space 1 du premier du nom, il date. Hein. Procédure standard, Daniels. Nous les enregistrerons à la salle d'embarquement. Procédure standard. Ouais. Ils sont où tous? La moitié du vaisseau a dû entendre l'atterrissage. Ah ouais, bravo, c'est tout. Vous avez amené ici en un seul morceau. Elle est là-dedans. C'est pas ce que doit penser Johnston. Mais si tu proposes de payer la première tournée... Je serais pas contre à... Oh, nous on a un casque et pas surtout eux. Surtout si c'est la CEC qui paie. Bizarre ça. Vous avez vu quelqu'un à la salle de contrôle? Sérieusement? Non, personne. Je vais le mettre sur le live. Si jamais vous êtes là, les petits loulous. Oh là là, faut que j'arrête de dire ça. Morning, yeah. La durée de vie par contre des Dead Space, j'en sais rien du tout. J'en ai vraiment aucune. Oula. J'en ai vraiment aucune idée. Ah ouais, y'en a de la lumière là. Verrouillé, salle d'embarquement. Mais déjà, c'est quel genre de vaisseau spatial? Rien que là, ça fait peur, hein. Rig synchronisé. Récupérer les modules de télékinésie. Oh, t'es tout seul, t'arrives dans un endroit comme ça, mon gros. Chef Jacob Temple. Localisation. Erreur. Employé non trouvé. J'arrive pas à joindre la sécurité. Pareil pour l'ingénieur en chef. Qu'est-ce qui cloche avec leur communication? Ils sont pas là. Ah, je peux ouvrir, ça y est. Voilà! C'est tout noir! Bonjour Hypoxy, comment vas-tu? Ah Hypoxy, ça faisait longtemps. Je crois t'avoir croisé dans mes derniers lives Fortnite. Qu'est-ce qu'ils nous font là? J'étais pressé de partir. Où est l'équipe de sécurité? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est vrai que c'est bien abandonné. Rien d'enregistré. Aucun tableau de service et pas de courant dans l'ascenseur. Ah ouais. De Dieu. Cette console fonctionne toujours. Isaac, évaluez les dégâts. J'ai pas envie de jouer. Comment ça, il donne des ordres, hein? Jar. Vas-y. Vous sentez ça, vous aussi? Sentir quoi? Sentir comme quoi? Si un truc était mort dans les conduits. Ah. Ça annonce un peu, hein? Ce qu'on va voir là. Quelque chose par terre, est-ce que c'est... Isaac, je veux ce rapport de dégâts. Comment ça quelque chose par terre, Isaac? Moi je vois rien du tout là. Comment ça quelque chose par terre, il a vu ça où? Par contre je peux pas courir. Mais je pense que c'est parce que c'est en début. C'est quoi? Charger le rapport, vas-y. Oh bordel, cette odeur. Qu'est-ce que vous avez, Isaac? Merde, il n'y a pas que les communications et le système de pilotage. La moitié des Ishimura est HS. Les moteurs, la coque, les trames. C'est tout cassé là. Je referme ma bouteille. Ok, j'ai trouvé du courant. La ventilation fonctionne. L'ascenseur devrait pas tarder. Anomalie dangereuse détectée. Quarantaine activée. Encore un problème? Non. Les systèmes de quarantaine sont tous en état. Attendez.
Vous avez entendu? Ouais. Ouais, je l'entends. Amon. Il y a un truc qui arrive là. Daniel, réactivez. Ah, ils ont des fusils d'assaut en plus. Il n'y a pas que nous ici. Oh! Pourquoi ils arrivent pas à l'avoir? Non! Premier monstre, ils l'ont comme ça? Appuyez pour courir? Oh, héros. Oh non! Non, t'es pas sérieux! Ça arrive des. Oh! Mais j'ai pas d'armes! Oh, je m'en souvenais plus que c'était comme ça! Non! Non, mais attends, y'en a de partout! Non. Je dois appuyer sur quelque chose. Vas-y. Ah, c'est hardcore là. Ah, c'est chaud. Ah ouais, carrément. Attendez, un film d'horreur, l'ascenseur là, qui coupe les gens là. C'est quoi cet ascenseur? Ah, c'était chaud là. On est dans le bain tout de suite, hein. Pas comme dans Resident Evil où on te met petit à petit les monstres, les zombies. Non, là c'est. T'es dans le bain direct. Au moins il peut courir. Ah ouais. Non, mais. Oh, mais vraiment. Dead Space remasterisé là, c'est quelque chose, hein. Au niveau graphique et tout, je suis choqué là. C'est vraiment. Qu'est-ce qu'il dit? Aidez-moi. Mais c'était pas tout censé. Non mais déjà comment lui il a réussi à s'en sortir là comme ça? Tous les monstres qu'on a là. Cut off. Couper leurs jambes. Notre première arme. Genre. Allez. Bang bang. Non, mais on est vraiment dedans. Hein. Mais direct quoi. Alors pourquoi le mec avec son sang il en. Ah ouais, moi je peux avoir de la lumière. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Outil de forain. Hein. Maintenir tir, rotation. Ah ok. Bah, non, je pense que je préfère ça. Hein. Ah, si je tiens pas, j'ai pas de lumière. Ok. Ah ouais, c'est quelque chose là. C'est quoi? Frapper. Ah ouais, ok. Écrasé. Pas mal ça. Ah, je dois couper le truc du coup, c'est ça? Putain, y'a quelqu'un qui parle là, attends. Ça va être chaud là. Attendez les gars. Juste un instant. Je vais aller allumer la lumière. Je trouve que ça donne. Ça donnait pas très bien sur la caméra. Heureusement qu'il n'y a pas eu de monstre entre temps. Par contre, on court bien vite, je me demande si à l'époque on courait aussi vite que ça. Et ça... Oh putain, c'est pas possible là. C'est quoi ça? Ah, c'est chaud mon gros là. Putain, il m'a fait sursauter. Là, il y a le cœur qui bat en plus, hein. Y'a un truc là? Demande de sécurité retrouvée. Il est pas mort! On lui a tiré une balle en pleine tête et il est pas mort cet enfoiré! Smith a dû lui décoller les bras et les jambes! Par pitié, envoyez de l'aide! Ce que j'aime pas, c'est.
Ah là là là, ce que j'aime pas, c'est ça arrive d'un coup en fait. Comment ça, c'est quoi ça? Non, non, bah non, bah non, bah non, bah non, je veux pas faire ça. C'est un peu bizarre le menu là avec les flèches et tout. Je peux pas reculer et ouvrir en même temps. Ok, ou s'il y a je ne sais trop quoi qui arrive. Mais on est vraiment plongé dans plein de trucs. Hein. Eh, des gens. Eh, nos copains. Isaac. Oh mon dieu, Isaac. T'es en vie. Bordel. Ils sont partout. Jen, il est... Il est mort. J'ai rien pu faire. Mais bordel, c'est quoi ces trucs? Parmi ceux que j'ai vus, certains portaient des uniformes de l'Ishimura. C'est l'équipage, ça? Franchement, comment ça peut être l'équipage? Tu les as regardés? Il faut qu'on aille sur le pont. Il y a plus de 1000 personnes à bord, il y aura forcément quelqu'un. C'est pas possible, le système de tram est en miettes. Et tout est verrouillé à cause de la quarantaine. Vous êtes tous les deux des techniciens, alors comment on fait? Moi, il met la pression, l'autre, vous êtes des techniciens, machin. Alex, tu veux... Il y a un wagon de tram en panne qui bouche le tunnel. Ça a bloqué le système. Et un des disques durs a cramé. Je ne peux ni désactiver le verrouillage, ni appeler le tram tant que j'en ai pas un autre de la maintenance. Le problème, c'est que tout est du côté d'Isaac. Je m'en occupe. Assure-toi que les systèmes de réparation sont alimentés. Et Isaac? Oui? Je suis sûr que Nicole va bien. Elle est médecin, c'est ça? Elle fera ce qu'il faut. Ouais. Ah, la meuf dans le... Ouais, comme d'habitude. Le vaisseau spatial au début? Non, ça pas, pardon. L'abri. Je reviens bientôt. Ah, je fais de l'homme. Ok, attends. Disque dur manquant. C'est ça, c'est ça. Attends, trouver le disque dur. Ouais, ok, en gros. Et là, je fais A. Remplacer le tram endommagé. Trouver le disque dur. D'accord. Une fois que je suis là... Ah mais attends, c'est un délire par contre, notre truc là. Je trouve qu'il s'est mal fait. Hein. Attends, bah non. Ok. Après j'appuie sur X en gros. Voilà. Ça au moins c'est bien quand tu sais pas où aller. C'est pas comme dans... Attends, j'ai deux endroits où je peux aller là. Tunnel du tram. Et là-bas, marchandise, ça doit être pour le disque dur. On va continuer comme ça. Hein. Ah ouais! C'est vraiment trop sombre, hein. Je sais pas si... Bon, je sens que ça va... C'est quoi ça? Quoi ça? Ça va arriver les gars. Ah, module de stase. Ah, je m'en souviens ça. Ah, on est équipé rapidement en vrai. Peut-être c'est pour arrêter les trucs. Ah, on va l'utiliser là-dessus. C'est le bouton C alors. Ok, vas-y. Ah ouais, comment il crase le corps et tout. Recharge de stase, ok, ok, ok. Non. Voilà. Entre la maintenance et toi. Tu peux réparer ça? Non, mais j'ai trouvé un module de stase. Si je suis plus rapide que... J'ai compris. Recharge de stase. Ah oui, bah oui, mais j'avais fait le plein. Poste de sauvegarde, bah oui, en fait, c'est ça le truc aussi. Comme dans Resident Evil, il faut qu'on sauvegarde à chaque fois. Oui. Ok. Et il doit y avoir des chargements automatiques. Utilisés. Il y a trop de trucs là. Ouais. C'est quoi ça?
Comment je changeais de côté pour... Ah oui. En fait, le truc, c'est que... Le mode horreur, c'est aussi le comportement d'Isaac. En fait, il a son cœur qui bat à 3000, je l'entends avec mon casque. Du coup, c'est lui qui me fait peur, quoi. Station, vas-y. Toilette. Oh, oh. Dis quoi? À l'intérieur? The Benz. Je suis obligé de passer par là ou... Là, il a le cœur qui bat à 3000. Là, je l'entends. Je sais pas si vous l'entendez. Il a le cœur qui bat à 3000. Tu vois, quand je m'en vais, il se calme. Mais attends, c'est pas normal, ça, mon groupe. C'est parce qu'il y a un mort. C'est quoi, c'est ça? Bah, c'est bon. Tu tapes dedans, tu frappes, tu mets des gros coups. On va avoir le cœur qui bat à 3000 comme ça, là. En fait, c'est là que ça lui fait peur. Il dit quoi? Bring the other. Ramener les autres. Il m'a dit de ramener les autres. Comment ça? Allez, hop. Je te mets un coup. Comment ça, tu as ramené les autres alors que tu savais qu'ils allaient mourir? Tu vois, là aussi. En fait, c'est quand il voit des morts. Hein. On peut les casser les... Ah ouais. On peut carrément les faire exploser, même. Je pense que le chemin... Ah là, c'était par là-bas. Isaac, ne vous emmerdez pas à leur tirer dans la tête. Ça les ralentit même pas. Bon. Le seul moyen, c'est de leur arracher les bras et les jambes. Mais ça les tue? Ou est-ce que ça les empêche juste de bouger? Bah un peu des deux, attends. On en a déjà vu là, le premier qu'on a eu. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a eu. Je sais pas tout à quoi ça sert là. C'est des munitions tout ce que je récupère. Pince déconnectée. Vas-y. Message retrouvé. Benson à l'ingénierie. Vous auriez un module de stase? Il nous en faut un à la maintenance du tram, rapidement. Le chargeur automatique a cramé. Un tram endommagé est coincé sur la voie. Et si tout le système est bloqué, devinez qui doit s'en charger. Petit Apple, j'envoie un module de stage. Il s'est passé quoi avec le chargeur automatique? Aucune idée. Il y a plein de trucs qui se détraquent et... J'arrive pas à entendre du bruit. Dans la machinerie, là où il devrait y avoir personne. Du chargeur automatique. Je vois. Veuillez contacter un technicien. Qu'est-ce qu'il dit? Recontacter les pinces. Ça veut dire quoi ça? Quelle pince? Quoi? Connecter la pince, oui. Oh! Mais voilà, il est dead. Ils peuvent laisser tomber des choses. Ah ouais, bah il donne de l'argent en gros. Après l'argent, je pense quoi. Ouais, il se connecte pas en gros hein. Erreur. Pince droite déconnectée. T'as réussi à déplacer le tram? Chargeur automatique est grillé. Mais la stase devrait faire l'affaire. Ah. Super. Mais très vite, ok. La stase. Comment ça? Okay. Ah d'accord, j'ai compris. Donc je dois aller à l'autre du coup. Oh non, il y en a un. Ah ouais, ils sont pas... Est-ce que je peux juste...
Voilà. Ah mais non, il meurt même pas. Attends, t'es sérieux? Lui par contre, je lui ai grave mis des coups. Hein. Ah là, c'est bon, j'ai connecté les deux là. Ah d'accord. Il va me donner des munitions, hein, si je l'écrase, c'est ça? Voilà. Pas des munitions, je sais pas combien j'en ai. Moi je vois ça déjà. 80 là. Oh là, tranquille. C'est une vraie mitraillette en fait. Remplacement du tram endommagé en cours. Veuillez patienter. Il y a encore des trucs qui vont arriver là, attends. En cours. Comment je vois quand ça change? Ah là là, les petits loulous! En plus, ils courent vers papa! S'il y en a un de l'autre côté. Ah ouais, c'est chaud en vrai. Quand ils arrivent à deux, attends. C'est le malin. Quand ils arrivent tous d'un coup. Ah mais attends, il y a du métastase, j'aurais grave pu m'en servir contre les monstres aussi. Ah. Attends, non, comment on fait? Mais merde. Ah d'accord. Tiens. Ah bah voilà. Faut pas les faire ça comme ça. Dès le début. C'est bon. Ce tram bloquait tout le système. C'est foutu. T'as dit qu'un disque dur était grillé aussi? D'après l'inventaire, il y en aurait un de rechange à la maintenance. Les trams peuvent pas. Oui, mais ça, on l'a vu déjà. On l'a vu que c'était grillé, ça. Voilà. Attends, il bouge encore? Non, c'est un bug. Mais genre. Eh, du coup maintenant je devais retourner. Ah bah oui. Attends, dans l'émission, de toute façon, c'était ça. Hein. Je devais réparer le tram, ça s'est fait, trouver le disque dur. Je pense que ça doit être dans l'endroit où il y avait écrit marchandise machin là. Par contre, de l'autre côté, c'était fermé, donc je me dis peut-être que. Ah mais allez, ouvre-toi. Ça doit vraiment rester. Oh! Y'en a un en haut! Mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah oui, y'en avait un en haut! Ah oui. Ah les mat... Ah attends, comment ils appellent ça? Stase, putain, de tout à l'heure j'appelle ça métastase, rien à voir. Du stase. Super efficace en vrai, hein. Ah, c'est même beaucoup plus facile de faire ça, hein. C'est trop easy, là. Je vais juste me recharger. Attends, parce que j'ai pas beaucoup de coups en vrai en stase. Hein. J'en ai que quelques-uns, mais on en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup non plus. Hein. Utilisez l'écran carte pour consulter vos objectifs et repérer les lieux. Oui, mais ça je sais. Ah, l'écran carte. Ah, ça j'ai l'impression que c'est nouveau. Ok. Bon, quand je laisse appuyer, je vois ça en gros en 3D. C'est plus en mode 3D. Non. Ah ouais, ok. Ah, ok, ok. Ah, j'aurais pu l'écraser l'autre monstre là, qu'on a vu tout à l'heure. Non, j'ai pas. Ah ouais. Putain, mais oh, c'est... Isaac, c'est là que ton cœur il devrait battre à 3000 là. De l'autre côté, il y avait rien du tout. Oula. De l'autre côté, il y avait rien du tout.
Il y avait son cœur qui battait. Couper les membres. Bah oui, mais c'est ce que je fais de toute façon. En fait, ils veulent trop donner des conseils. Aucun courant. Voilà. Bah attends. Pas comme ça, c'est trop facile en vrai. Oh, tout à l'heure je disais c'est trop facile, mais je vais m'en rigoler après. Disjoncteur. C'est quoi ça? Ah, c'est pour savoir quelle porte on ouvre. Ok. Pas de problème. Poste de sauvegarde. Je pense qu'on doit avoir des sauvegardes automatiques, mais j'en ai pas vu. Parce qu'en général, ils les mettent quand c'est des. Quand il y a des sauvegardes automatiques. Donc je me dis peut-être que ça sauvegarde même pas tout seul. Hein. Ah, y'a rien là, on est d'accord. Ouais. J'ai pas envie de rater des trucs là. En fait, il faut que je casse une jambe. Il faut que je coupe une jambe. Pourquoi il y a cette musique là? Une jambe et un bras. Attends. Voilà, mais il faut toujours. Attends, en vrai? En vrai, t'as grave des munitions. Hein. En tout cas, ils sont pas radins en munitions. Ça, c'est bien. Pourquoi c'est tout noir ici? Kit de soin, du coup, je suis bien parce que j'en. Ah non, c'était une bombe. Oh là là, je suis trop nul. Non, mais c'est pas que je suis trop nul, c'est que je savais pas. Attends, là, j'imagine que. J'imagine qu'il y a un gros truc qui va arriver là. Oh, ça fait ce bruit. J'imagine qu'il y a un gros truc qui va arriver, il y a pas mal de bombes là. Et qu'on va courir comme un petit lapin là. Oh, par contre, c'est tellement sombre. Voilà, des petites munitions. Là, on doit trouver juste un disque dur, mais je sais pas. Je sais pas à quoi ressemblent ces disques durs. Attends, est-ce que je dois me servir de ces bombes ou pas? Ils aiment bien mettre. Ah, il y en a un qui arrive. De loin. Tu vois mon rouge, je t'ai vu. Je l'ai vu. C'est quoi ces changements de musique? Oh, il doit y avoir un putain de gros monstre là. Par où, par où? Parce que on a grave des bonbonnes là. Par là. Ah. Je peux prendre l'ascenseur.
Et on a quelqu'un en face? Non. Ça paraît qu'il y a le moment où ils apparaissent. Bah, pour le moment, c'est déjà linéaire en vrai. Tu vois, tu sens que c'est les anciens jeux vidéo, ça. Hein. Parce que de nos jours, t'en as pas des comme ça. Hein. De nos jours, en vrai, t'en as pas des comme ça. Genre, de nos jours, il sait trop de faire... Je pense que c'est les critiques qu'ils ont reçues à l'époque. De faire des mondes libres. T'as même Zelda aujourd'hui, c'est un monde libre, tu vois. Alors qu'à l'époque où ce jeu est sorti notamment, journal textuel, bah c'était plus comme ça. Voilà, réparer, ok. C'est plus en mode linéaire. Alors tu continues l'histoire, tu marches, t'avances, tu tues, tu marches, t'avances, tu tues. Et là n'empêche, tu vois, je suis bien, je dis pas que c'est pas bien, hein. Attends, pour que je mette du courant, où exactement là? Il me montre déjà et je mets du courant. Elle est derrière moi? Oh non! Elle est courte! Non, c'était que pour les deux là? J'ai parlé trop vite. Tu vois? C'est tellement scripté. Forcément, hein. Alors que j'ai rien fait de là-bas, hein. J'ai rien changé là, en soi. Attends, en vrai le courant il faut bien que je change. Trouver le disque dur, bah oui, faut que je fasse un truc ici. Allez vas-y. Il y a un truc qui bouge. Il serait où ce disque dur là? C'est quoi ça? Ah attends, elle est non. Bah oui, bah lumière, on s'en fiche. Faut qu'on mette dans l'ascenseur et bah oui. Lumière, c'est ce qui est moins important. Comme ça, on est bien plongé correctement avec les monstres. Bien dans le noir. Putain, les monstres là tout à l'heure, là, les deux là, ça serait bien sorti là. Franchement. Ils auraient bien fait sursauter, je pense. Je le vois bien. Ça va. Ah ouais. En fait, c'est pire. C'est pire parce que tu vois pas d'où ça arrive. Ça, c'est horrible, ça. Ça vient d'où? À ton avis, ça vient d'où, UP? Forcément, ça vient d'ici. Mais continue à courir, là. C'est bon. C'est bon là. On l'a mis bien là. On va essayer d'avancer directement. Yo! Titi! Ah, il s'appelle Titi. Comment ça va, Titi? Ah bah voilà. Pourquoi ils parlent en espagnol là? Maintenant ils parlent en français, pourquoi ils ont changé la langue? Journal textuel. Qu'est-ce qu'il dit? Soirée poker. Mec, il y a les monstres qui viennent partout et ils pensent au poker le gars l'autre. Et mon gars, il faut oublier le poker un peu. Hein. Amélio... Ah, je me disais aussi à quel moment ça allait tomber.
Ouais, on peut améliorer ses... Attends, sa tenue ou son arme. Comment je vois déjà mes points? Ouais, 2 points. Ah, mais ouais. En fait, c'est le truc le plus simple. Hein. De l'air. Ah. À un moment donné, on va aller dans des endroits où il n'y a pas d'air. Comme ça. Alors, on va commencer par là, de toute façon, on est obligé. Comment ça va, Titi? Tu connais ce jeu, toi? T'y as déjà joué? Je vais quand même améliorer ma petite arme. Voilà, c'est tout. De toute façon, j'en ai plus d'autres. Allez, hop. On a augmenté les dégâts. C'est le principal. On peut qu'à prendre le disque dur. On peut pas rester ici plus longtemps. Ça grouille de partout. Attendez, j'ai le disque dur. Je retourne dans la salle des commandes. Daniel, préparez-vous à y aller. Je sais pas si j'ai bien fait de faire péter là maintenant. Enfin, passe aussi ou pas? Ah ouais, dans le noir c'est quelque chose. Hein. Ah, je dois retourner. Je dois retourner là-bas. Attends, en vrai j'ai limite envie de courir. Ah il est là! Ah il est là! Ah il est là! Allez, mets-le! Ah, mais je dois appuyer sur eux! Bah attends, mon gars, t'inquiète pas tout ce que je vais te mettre, toi. Toi aussi! T'inquiète pas, attends. Tiens! Gros coup! Tiens! Ah, je l'ai eu, hein! Ah ouais! Tu vois, je disais que ça servait à rien, la santé. Comme quoi, tu vois. Oula. Mais ça c'est un truc de dingue. Ouvre la porte, t'appuies sur le bouton, pourquoi il se referme? De fou ça. Quelle heure est-il?